Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment maquiller vos sourcils, donc comment les rehausser, les embellir tout en conservant un aspect naturel. Si vous préférez la façon Instagram, donc redessiner, c'est malheureusement pas ce que vous verrez aujourd'hui parce que je trouve que ça peut avoir l'air maladroit et un peu trop intense. Je préfère vous montrer quelque chose de beaucoup plus naturel. Avant de commencer, je suis certaine que vous savez qu'il y a plusieurs produits avec lesquels on peut travailler, tout dépendant de nos sourcils et du résultat qu'on veut avoir. Si vous aimez la forme de vos sourcils et vous trouvez qu'ils sont assez fournis, alors vous voudrez peut-être seulement appliquer un mascara pour les faire tenir en place toute la journée. Si vous voulez tout simplement remplir légèrement les endroits qui sont plus clairsemés, un fard en poudre serait très simple à utiliser et rapide. Si vos sourcils demandent un peu plus de travail et vous devez vraiment dessiner davantage de poils, une pommade avec un pinceau à ongles serait peut-être plus adéquat. Par contre, ça peut être un peu plus difficile à utiliser. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple et rapide, un crayon pour les sourcils, c'est un indispensable. Pour les plus perfectionnistes, utiliser deux produits peut même vous donner de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va commencer en marquant où devrait être le début, la fin et l'arche de nos sourcils. On va appuyer notre pinceau ou crayon vis-à-vis notre narine en le gardant bien droit et ça va nous donner notre point de départ. Ensuite, on aligne notre crayon vis-à-vis notre narine en passant par la pupille de nos yeux et puis voilà, on devrait avoir notre arche. Pour trouver la fin du sourcil, on appuie notre crayon encore une fois vis-à-vis la narine, mais on le fait passer par le coin externe de nos yeux. Après avoir trouvé ces trois points-là, on peut brosser nos sourcils vers le bas et commencer à remplir les espaces plutôt clairsemés en imitant des poils. On essaie toujours de tracer en respectant le sens dans lequel les poils poussent. Ensuite, vous pouvez brosser vers le haut puis répéter la même chose. Évidemment, c'est plus difficile de faire des traits du genre avec un fard poudre pour les sourcils. Alors, pour plus de définition et de précision, les crayons et les pommades sont à prioriser. Ensuite, vous pouvez utiliser un mascara pour les sourcils pour aider à fixer ce que vous venez de faire. Et puis, en même temps, ça vous aide à vraiment séparer chacun des poils des sourcils. Ça va nous aider à ajouter un peu plus de réalisme aussi. Vous pouvez également utiliser du savon et une brosse légèrement mouillée pour remplacer le mascara pour les sourcils. On préfère bien souvent prendre des savons transparents pour éviter de laisser un peu de blanc dans vos sourcils. Aujourd'hui, le savon que j'utilise est naturel et puis il fait très bien. Je brosse mes sourcils vers le haut. Ça m'aide à définir mes sourcils, à vraiment les séparer et donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus fournis. Et puis ça va les faire tenir toute la journée. Ensuite, si je veux vraiment me donner la peine et puis ajouter une étape, je prends un mascara pour les sourcils teinté et je le passe une fois que le savon a séché par-dessus. Alors, je fais la même chose. Je brosse vers le haut. Et puis, ce qui est bien à savoir, c'est que souvent, ces mascaras-là ajoutent des fibres. Donc, donnent vraiment l'impression que notre sourcil est plus fourni. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes-là, mélanger plusieurs étapes. Si vos sourcils sont en assez bonne état, vous pourriez tout simplement passer un mascara teinté ou transparent et puis ça donnerait tout simplement un effet de sourcil un peu plus arrangé. Si vous avez des questions, laissez-les dans la zone de commentaires. Ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Alors, passez une belle journée. Bye bye!